Le candidat démocrate à la vice-présidence, Tim Walsh, a passé la première moitié de sa vie dans cette région rurale du Nebraska, à environ cinq heures de route de l'aéroport le plus proche. Ici, les éléments les plus marquants du paysage sont souvent les silos à grains. Certains habitants de la région s'identifient en partie au candidat à la vice-présidence. Quand je le vois à la télévision, il ne me fait pas penser à un homme politique. Il me rappelle plutôt celui que j'aurais préféré voir à l'école, car il s'investit vraiment dans sa communauté et ses élèves. Il a vraiment un sens moral élevé et de bonnes valeurs morales. Waltz est né à West Point, dans le Nebraska, et a passé son enfance à Valentine, une ville de 2600 habitants, pas vraiment connue pour ses poids lourds politiques. Nous avons suivi la carrière de Tim un peu à distance, je suppose. Cette étape, nous l'avons probablement pas vu venir. Lorsque Waltz était adolescent, le diagnostic de cancer du poumon de son père a incité la famille à déménager à 160 km au nord, plus près de la famille élargie. J'ai grandi à Butte, dans le Nebraska, une ville de 400 habitants. J'avais 24 enfants dans ma classe de lycée. Les membres de la famille de Walsh vivent toujours dans la région. Son oncle, un agriculteur à la retraite, Jérôme Ryman, dit qu'il compte voter pour son neveu, mais il ajoute qu'il craint que le gamin de la petite ville dont il se souvient soit trop gentil pour affronter les grands défis du monde. C'était un gamin comme les autres. Je veux dire, c'était un type bien. Il aimait le sport. Tim ne sera pas assez dur avec Poutine, ça m'inquiète. Ayant grandi dans le Midwest rural, Walsh est devenu un passionné de pêche et de chasse et n'a pas caché son amour des armes à feu. Le chapeau camouflage de Walsh a été adopté par les démocrates des chemins de terre. Le camouflage et la chasse représentent le Nebraska, je suppose. Et nous le reprenons simplement pour ce ticket. Suivant les traces de son père, un vétéran de la guerre de Corée, Walsh a rejoint la garde nationale à l'âge de 17 ans et y est resté pendant 24 ans. Mais pour certains électeurs ruraux, le service militaire de Walsh et son passé de propriétaire d'armes à feu ne signifie pas qu'ils partagent les mêmes valeurs. Non, il n'est pas proche. Il ne dit pas la vérité. C'est le deuxième amendement, n'est-ce pas Je ne vais pas lui confisquer son arme comme ils essaient de le faire pour nous. Walsh soutient également le droit à l'avortement, ce qui le met en porte-à-faux avec de nombreux habitants du Nebraska conservateur, où certaines églises ont des monuments commémoratifs pour les enfants à naître et où le paysage est parsemé de panneaux anti-avortement. La question la plus importante pour moi a toujours été les droits à la vie. Je vote pour celui qui est pro-vie. Il n'aura pas mon vote. Walsh a obtenu son diplôme d'enseignant au Chadron State College, dans une ville où l'ancien président Donald Trump semble populaire. L'administration de l'université a récemment dû retirer son drapeau de campagne après que quelqu'un l'a hissé à côté du drapeau américain sur le campus. Miles Bannon, un habitant de Chadron, affirme que les racines locales de Tim Walsh ne se traduisent pas nécessairement par un soutien. Il y a de nombreuses familles qui ne parlent pas beaucoup de politique parce qu'il y a beaucoup de désaccords, vous savez. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont réconfortés par lui, mais cela ne changera peut-être pas leur façon de voter. Certains disent que Waltz donne au Nebraska rural son quart d'heure de célébrité, mais dans cet État conservateur des États-Unis, les racines communes ne sont pas une garantie de vote.